Saviez-vous que la consommation de l'ail permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires ou encore qu'il provoquerait des problèmes gastro si vous avez l'estomac fragile? Vous étirez tout nature et vous regardez la Minute Santé. De son nom scientifique, Allium sativum, l'ail est une plante consommée depuis des millénaires. En Égypte, dès l'époque des pharaons, on remarque les propriétés nutritives de l'ail. On rapporte aussi que les manœuvres à la construction des pyramides recevaient quotidiennement une ration d'ail pour leur donner la force nécessaire à ce travail épuisant. Voyons maintenant six bienfaits de l'ail sur la santé. En numéro 1, l'ail protège le système cardiovasculaire. En effet, il n'y a pas mieux que l'ail pour notre cœur. Les personnes qui consomment 2 à 5 gousses d'ail tous les jours ont moins de cholestérol que les autres. En numéro 2, l'ail protège la peau. En effet, les vertus antiseptiques de l'ail en font également un allié pour entretenir la santé de sa peau. Il est efficace contre l'acné et les verrues, mais aussi le psoriasis. En numéro 3, l'ail aide à la digestion. Il contient des acides phénoliques qui ont la capacité de nettoyer et épurer le système digestif de l'intérieur et y contribuent à lutter contre l'inconfort digestif, à restaurer la flore intestinale. En numéro 4, l'ail aide à garder la ligne. Riche en protéines et en glucides, tout en possédant très peu de lipides, l'ail est un super aliment sur le plan nutritionnel. Il contribue à stimuler le métabolisme et donc à brûler davantage de calories et à éliminer plus rapidement les excès via les urines. En numéro 5, l'ail aide à lutter contre le cholestérol. La lysine que contient l'ail contribue à faire baisser les taux de cholestérol dans le sang. En numéro 6, l'ail aide à prévenir le cancer. En effet, l'ail aide à freiner la prolifération des cellules cancéreuses et protège l'organisme de certains agents cancérigènes ainsi que de l'action des radicaux libres, notamment ceux impliqués dans les cancers de l'estomac et de l'intestin. Savez-vous quels sont les dangers de l'ail pour la santé? Voyons ça tout de suite. En numéro 1, ne consommez pas l'ail si vous prenez des médicaments anticoagulants, car l'ail est déjà un anticoagulant. Et en numéro 2, si vous prenez des médicaments pour le cœur chaque matin, ne consommez pas l'ail. Et pour terminer, en numéro 3, si vous avez l'estomac fragile, ne consommez pas l'ail car il provoquera des problèmes gastro-intestinaux. Voici en bonus une astuce et un remède à base d'ail. Comme astuce, vous avez l'ail qui est utile pour protéger les plantes. Sachez que les insectes nuisibles au jardin n'aiment pas l'ail. Alors pour les faire fuir, je vous présente une astuce. Pour la protection de vos plantes, fabriquez un pesticide contre les insectes ravageurs avec ces produits juste en bas. Vous aurez besoin de l'ail, vous aurez besoin de l'huile minérale, de l'eau, d'un savon liquide et ensuite placez-le dans un vaporisateur et répandez-les sur vos plantes afin d'éloigner les insectes ravageurs. Pour ce remède, vous aurez besoin de 25 centilitres d'huile d'olive de bonne qualité que vous allez introduire dans une bouteille d'un litre vide. Et ensuite, vous aurez besoin de 4 gousses d'ail cru écrasées que vous mettrez ensuite dans la bouteille. Placez la bouteille pendant une semaine hermétiquement fermée dans un endroit chaud. Récupérez ensuite le liquide par filtration et utilisez-le comme embrocation sur la partie douloureuse à raison d'une friction par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page et de cliquer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo chez Etonature.